Alors, pour les exercices, donc sur ces caryotypes, donc on vous donne une légende et des photos de caryotypes et il faut relier et justifier si c'est un individu mâle ou un individu femelle. Donc, il y a des choses pour lesquelles on ne sait pas, sauf si on va voir sur Google éventuellement ce qu'est le syndrome de Turner. Donc, on va laisser les choses en suspens par rapport aux choses qu'on ne peut pas savoir. Et on va observer les choses pour lesquelles on peut regarder. Le caryotype d'un chimpanzé, on vous dit qu'il a 24 paires de chromosomes. Celui d'un cheval, 64. Celui d'une drosophile, 4. Et celui d'un individu atteint de trisomie. Et là, cette fois, on sait ce que c'est. Donc, si on observe bien, eh bien, le numéro 1, c'est l'individu qui a 1, 2, 3, 4 chromosomes. Et donc, le 1, c'est bien la drosophile. Et donc, la drosophile, car on a 4 chromosomes. Et si on regarde, les deux sont des chromosomes X. Donc, c'est une femelle, car elle est XX. Le deuxième schéma, ici, donc si on les compte et qu'on regarde et qu'on observe bien ce qui se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc le 2, c'est celui du chimpanzé. Car il a 24 chromosomes. Et si on observe ici, on a un XX, donc c'est également une femelle. Si on observe le troisième, ici, et qu'on regarde, eh bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 paires de chromosomes. Et on en a un qui manque, qui serait celui ici, chromosome sexuel, où il a l'air d'en avoir que un, donc. Si c'est 23 paires de chromosomes, c'est un individu humain. Et si on regarde, ben, c'est pas une trisomie. Et le seul qui nous restait, du coup, c'était un individu atteint du syndrome de Turner. Donc, par élimination, vous pouvez noter que c'est celui-là. Et donc, du coup, si on regarde par contre le chromosome X ou Y, eh bien, on en a que 1, donc on ne peut pas le déterminer. Ici, le 4, c'est un individu qui a 23 paires de chromosomes, et si vous regardez ici, la 21e, elle en a 3, donc c'est la trisomie. Car la 21e paire a 3 chromosomes. Et si on regarde ici, les deux chromosomes sexuels sont les mêmes, donc c'est aussi une femelle. Et donc ça nous laisse le dernier caryotype qui est là, et donc qui est le dernier si vous regardez. Donc on en a 64, et là on a bien un X et un Y. Donc c'est le caryotype d'un cheval car on a 64 paires de chromosomes. Et c'est un mâle car on a un X et un Y. Et donc ça veut dire que même si on ne sait pas exactement ce que veut dire quelque chose, donc là par exemple, si on regarde ce chromosome, non pardon, si on regarde l'énoncé ici, syndrome de Turner où on ne sait pas ce que c'est, eh bien en analysant et par élimination, on peut trouver donc un individu, le syndrome de Turner, en gros, c'est un individu qui naît avec un seul chromosome sexuel qui est X. Donc, sexuel avec un U. Donc, à la place d'avoir un XX ou un XY, on a simplement juste un X. Donc, on va avoir un individu qui, ça, vous ne pouvez pas le savoir du coup juste avec ça, mais va avoir, être tendance à être femelle, même si il va y avoir des caractères qui ne seront pas spécialement très développés et des, comment dire ça, des anomalies génétiques. Mais ça, ici, par contre, vous n'auriez pas pu le savoir
sans aller consulter quelque chose parce que vous pouvez pas le savoir. Alors, deuxième exercice. Dans le règne animal et végétal, on retrouve des êtres avec le même nombre de paires de chromosomes, mais qui sont totalement différents. Exemple, le chimpanzé, le gorille, le plant de tabac, le blé, la pomme de terre, ils ont tous 48 chromosomes. Donc, si on regarde, eh bien, pourquoi est-ce qu'avec un même nombre de chromosomes, on arrive à faire des organismes qui sont aussi différents? Eh bien, c'est parce que la quantité d'ADN ne va pas définir la complexité de l'organisme. Elle n'a rien à voir avec le fait d'être plus ou moins évolué ou avoir développé telle ou telle chose, parce qu'on peut avoir des êtres relativement évolués, par exemple comme la fameuse drosophile, qui est un organisme qui voit, qui vole, donc qui n'est pas une plante verte, par exemple, qui va pouvoir avoir toutes ces infos dans ses quatre petits chromosomes, au même titre que, par exemple, le gorille est un organisme évolué aussi, mais qui lui va avoir 48 chromosomes. Donc la quantité d'ADN n'a rien à voir. Ce qui importe, c'est la quantité d'informations qui est dessus et la quantité de gènes, ce qui va introduire le chapitre d'après. Donc la quantité d'ADN ne définit pas la complexité d'un organisme. Ce sont les gènes qui le font. Et on va voir donc juste dans le cours d'après ce que sont les gènes. Alors la formule chromosomique ici. Alors pour calculer la formule chromosomique, donc je vous rappelle que la formule chromosomique c'est le nombre de chromosomes que l'on a au total, et puis XX ou XY pour fille ou garçon, et éventuellement s'il y a une anomalie, le plus ou moins. Plus s'il y en a un chromosome en plus, moins s'il y en a un en moins, et le numéro de la paire de chromosomes qui est touchée. Donc ici, on a 38 paires de chromosomes plus une sexuelle, donc ça fait 39 paires de chromosomes. 39 paires de chromosomes, donc fois 2, ça en fait 78. Donc on a 78 chromosomes et on est X, X. Alors un chromosome, on le symbolise toujours par un X, qu'on note en général comme ça. Au centre de ce X, on a ce qu'on appelle le centromère. Et ça, c'est ce qu'on appelle une molécule d'ADN. Et ceci, ces deux chromatides sœurs, autrement dit, deux fois la même molécule d'ADN. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit qu'on représentait toujours les chromosomes comme ça, parce que quand on les voit, c'est un stade cellulaire. Enfin, un stade de division cellulaire pour qu'on puisse les voir. Donc, en réalité, si je prends n'importe quelle cellule de votre corps qui n'est pas encore en train de se diviser, eh bien, dans cette cellule, si je prends une cellule qui n'est pas en train de se diviser et donc que je regarde son noyau, je vais avoir une molécule et cette molécule ici, elle va être représentée par un brin ici d'ADN. Mais au moment où je fais la photo des chromosomes pour pouvoir le voir, on verra ça exactement après, c'est un stade cellulaire qui veut que cet ADN ait déjà été répliqué, c'est-à-dire copié deux fois pour que la cellule puisse se diviser et donner un brin d'ADN dans chacune de ses cellules filles. Donc l'ADN, le chromosome, on le représente comme ça, et donc c'est bien deux molécules d'ADN qu'on appelle chacune une chromatide qui sont liées par un centromère. Alors la notion de gène dont on vient de parler. Si on rappelle le rôle de l'ADN, le rôle de l'ADN est de donner le mode d'emploi de la formule et les caractéristiques physiques. Donc cet ADN, il contient toute l'information de
pour faire fonctionner la cellule. Plus les infos pour ses caractéristiques physiques. Donc, est-ce que j'ai les cheveux blonds, bruns, les yeux verts, bleus, rouges? Eh bien, toutes ces informations, que ce soit physiques ou que ce soit les informations des protéines pour faire fonctionner la cellule, elles se trouvent à un endroit particulier de l'ADN qui est un gène. Donc, le gène, c'est une portion d'ADN qui code spécifiquement pour une chose. Alors cette chose, ça peut être une caractéristique physique ou fonctionnelle, genre une protéine par exemple, particulière. Alors les gènes, au niveau d'une même espèce, les gènes sont situés aux mêmes endroits. Par exemple, si je prends le chromosome 9 qui est le gène qui est déterminant pour le groupe sanguin, eh bien chez tout le monde dans la classe, ce gène sera sur le chromosome numéro 9. Chez tout le monde. Et c'est valable, attention, c'est pour une même espèce. Donc une même espèce, ça veut dire chez l'homme. Par contre, le chromosome qui détermine le groupe sanguin du chimpanzé ne sera pas sur le chromosome 9 forcément. Ça, c'est interespèce, donc les gènes vont pouvoir changer. Alors, maintenant, ces gènes, ils codent pour des informations qui vont faire fonctionner la cellule. Autrement dit, la plupart, ce sont des protéines. Et ces protéines, elles sont fabriquées dans le cytoplasme. Donc, ça veut dire que l'information, l'ADN, qui est donc l'info, elle est enfermée dans le noyau. Les protéines, elles sont fabriquées dans le cytoplasme. Et bien, pour pouvoir sortir du noyau et donner des protéines, entre les deux, il y a l'ARN messager. Cet ARN messager, c'est un transporteur de l'information. Donc, il transporte l'information du noyau jusqu'au cytoplasme pour fabriquer les protéines. Et on constate qu'entre un ARN et un ADN, si ça c'est une molécule d'ADN et ça c'est une molécule d'ARN, eh bien il y a quelques différences. Ça c'est la molécule d'ADN, donc normalement vous savez tous que on a des groupements phosphates qui sont là. Ces boules-ci, ce sont des désoxyriboses. D'accord? Parce que c'est de l'ADN. Et on a les quatre bases, adénine, cytosine, thymine et guanine. Eh bien, si on regarde la molécule d'ARN, déjà le premier grand changement, c'est qu'elle est monobrin. Donc, elle est constituée d'un seul brin. Le sucre dans l'ARN va lui donner son nom, c'est un ribose et plus un désoxyribose. C'est pour ça que dans l'ADN, on a désoxyribose et que dans l'ARN, c'est un acide ribonucléique. Donc, désoxyribo, donc le SE se élise et ici aussi ribonucléique pour mettre dans le nom. Donc c'est parce qu'on a un ribose dans l'ARN et un désoxyribose dans l'ADN. Si on constate, il y a une autre différence en observant un petit peu, c'est qu'on a des U qui apparaissent dans l'ARN alors que c'était des T dans l'ADN. C'est parce que la thymine du coup se dégrade dans le cytoplasme et donc dans la molécule d'ARN, on a une base azotée qui est de l'uracile, avec un L uracile qui remplace la thymine. Et donc le rôle de l'ADN, c'est de transporter l'information hors du noyau
de façon à ce que on puisse fabriquer les protéines dans le cytoplasme. Alors pourquoi est-ce qu'on ne sort pas bêtement l'ADN du noyau? C'est parce que l'ADN, je vous rappelle que c'est le disque dur de la cellule, c'est lui qui contient toutes les informations, donc il est très précieux. On ne peut pas risquer de le sortir et qu'il se fasse dégrader par d'autres molécules, ou qu'on le copie et qu'on perde un morceau, et que du coup la cellule n'ait plus du tout toutes les bonnes, toutes les infos qu'elle avait besoin. Donc c'est l'ARN qui va servir à ça, on copie l'ADN, on amène l'ARN dans le cytoplasme, et comme ça, eh bien, on n'a pas de risque, quand bien même cet ARN serait détruit, pardon, parce qu'il est détruit à un moment donné, eh bien, ça pose aucun souci. Donc le rôle de l'ARN, c'est bien de transporter l'information génétique à l'extérieur du noyau. De façon à fabriquer les protéines. Donc cela protège l'ADN qui reste à l'intérieur du noyau et qui ne va pas en sortir à peu près, jamais en gros. Donc, si on schématise ça, donc ici, c'est le noyau, et ici, c'est la limite de la cellule. Donc ça, c'est l'extérieur, et ça, c'est l'intérieur avec le cytoplasme. À l'intérieur du noyau, on a un certain nombre de molécules d'ADN. Cet ADN, il est transformé en ARN. Donc ça, en mauve, c'est de l'ADN. En bleu, c'est l'ARN qu'on a transformé. Donc cet ADN se transforme en un ARN. L'ADN ne peut pas sortir du noyau, donc lui, il est incapable de sortir du noyau, et en plus ce serait trop dangereux. Par contre, l'ARN, il va sortir du noyau, se retrouver dans le cytoplasme et rencontrer les ribosomes. Et puis, l'ARN passe à l'intérieur du ribosome et il va en sortir une protéine. Et ensuite, la protéine va aller là où elle doit aller pour fonctionner et cet ARN va être détruit à la fin donc de la synthèse des protéines. Alors, si on résume du coup les différences entre l'ADN et l'ARN. Alors les critères de différence, donc on a le sucre qui n'est pas le même. Donc dans l'ADN, c'est un désoxyribose. Dans l'ARN, c'est un ribose. On a la structure. Donc la structure de l'ADN, c'est un double brin qui est complémentaire. Donc on a deux brins qui sont complémentaires avec AT et GC, alors que l'ARN est monobrin, on va traduire juste une seule partie de l'ADN. Alors les bases azotées, donc la base azotée dans l'ADN, c'est adénine, thymine, guanine et cytosine, alors que dans l'ARN, c'est inadénine, uracile, guanine, cytosine. Donc le U remplace le T. Et alors le dernier critère, eh bien, c'est le rôle. Le rôle de l'ADN, si on le résume vraiment au maximum, c'est le support de l'information. C'est lui qui contient toutes les informations, alors que l'ARN, lui, il va servir de transporteur d'informations.